toujours bien? Oui. Alors, vous avez vu depuis tout à l'heure l'angle d'entente Berlin, qui était un titre du deuxième album. Donc on fait un petit voyage ensemble ce soir, parmi de tous les albums précédents, aussi les titres qui m'ont marqué, comme le titre de Sunny tout à l'heure. Et donc, forcément, c'est aussi l'histoire, cette tournée de cet album. Ce dernier album s'appelle Rio. Alors, je ne sais pas si certains connaissent. Et cet album, en fait, c'est le fruit de beaucoup de rencontres, beaucoup d'histoires, voilà, à travers cette ville. Et à travers surtout tout ce qu'on a traversé ces quelques dernières années, qui était un peu violent, quand même. Et toute cette violence, comme ça, il y a besoin un peu d'exorciser les choses, de les écrire, parce que c'est toujours important pour lâcher prise de d'abord faire le constat de où on part, de qu'est-ce qui va pas, et nommer les choses, c'est important. Et donc, dans ce travail de l'album, il y a une rencontre particulière, l'histoire d'une femme, qui était un peu, qui est d'ailleurs toujours à contre-courant de ce qu'on vit en ce moment. Cette femme, elle s'appelle Latifa Ibn Ziaten. Et on pouvait l'applaudir, pour ceux qui connaissent. Alors en fait, l'histoire de Latifa, c'est très particulier. Il se trouve que cette femme a perdu son fils. Elle a été tuée par un terroriste. Et en fait, je pense que la pire chose qui peut arriver à une mère, surtout dans ces conditions-là. Et en fait, plutôt que de se tirer dans le silence, d'être un peu dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, où chacun se replie sur soi, où chacun cherche des repères, des communautés, de droite à gauche. On évite de trop se mélanger parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et elle, au contraire, elle a été complètement à l'encontre de tout ça. Et elle s'est dit, bon, bah, moi, en fait, je me sens utile aujourd'hui. Pas forcément aller voir les victimes, parce qu'elles sont aidées. Mais je me sens surtout investie de faire en sorte de sortir d'un mauvais chemin des gens qui sont sur une pente dangereuse et leur montrer que l'extrémisme en tout genre les amènera nulle part en fait. Et donc elle va tous les jours dans les prisons, dans les collèges, dans les lycées, un peu partout pour essayer de montrer aux gens ce qu'elle peut apporter. Elle a montré surtout que même si beaucoup se sentent abandonnés, il faut surtout avoir la force d'avancer. Et des fois, il ne faut pas avoir peur de dire bah, je me suis planté, j'ai pris un mauvais chemin. Et tout le monde a droit aussi à une deuxième chance pour faire en sorte que cette société aille mieux. Et du coup, cette chanson, elle s'appelle Madame, et je voudrais qu'on l'applaudisse encore très très fort à Latifa Ibn Ziaten. Madame.
Sans sourire.